Alors, le jeu qui arrive. Le jeu qui arrive. Town with no name. Oh yeah. Est-ce que je vous laisse la surprise de ce jeu? Parce que je vous avoue que j'ai longuement réfléchi au genre de commentaires que j'allais faire sur ce run. Parce que techniquement, Town with No Name, c'est typiquement un jeu qui n'a pas de gameplay. C'est un jeu qu'on ne joue pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur l'écran à un certain moment. Hein. David Cage, hein, si tu nous écoutes, des bisous à toi. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse les viewers français se délecter des cinématiques? Est-ce que j'explique un petit peu ce qui se passe? Mais franchement, je vous laisse réel. Je vous dis, il n'y a rien à expliquer, quoi. Le jeu parle de lui-même, réellement. Donc, ce que je vais faire, je vais pas parler. Pendant le début du run, je vais vous laisser apprécier. Et après, on va discuter ensemble du pourquoi vous avez fait ça. Voilà, pourquoi avez-vous créé cette chose? Quel était le but intrinsèque de la chose? Parce que là, très franchement, c'est chaud patate, quoi. C'est très très chaud patate. Que se passe-t-il? Ce n'est absolument pas Town with No Name. Mais alors pas du tout du tout. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Rendez-moi mes Awful Games, je ne comprends pas. Ça ressemble à des jeux bien. Ah, does not compute, does not compute! Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you once again. Et c'était une auto-promo. Très bien. C'était une auto-promo. Parfait. Enfin, j'imagine, probablement. I'm gonna get a couple more things done here. C'est quoi le contraire de nul à chier? Bien à manger? Nul à chier, bien à manger. Non, ça me paraît correct. Enfin, bref. Alors, juste un truc quand même, pour que vous vous prépariez mentalement à Town with No Name, parce que pour le moment, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à affronter Town with No Name. Simplement. Comment vous préparez mentalement à Town with No Name? En fait, non. Je vais continuer à rien dire sur le jeu. Je vais vous laisser découvrir. Parce que j'ai envie que vous ayez le même sentiment que moi. La première fois que j'ai lancé la vidéo du run de Brocentia sur ce jeu. Et j'ai pas envie de vous voler ça en vous en disant trop sur le jeu. Donc je vais fermer ma gueule. Voilà. En plus, ça fera plaisir à certaines personnes, je suis sûr. Alors que Blue Glass est là! Ah, notre maître à tous. Ah, Blue Glass. Big bisou à lui. En plus, il a le même syndrome de la jambe qu'il bouge tout le temps. Brofist, mec. Brofist. Oh oui! Oh oui, Gojira, oh oui! Ah oui, un canon ne soit pas trop cliché. Ah oui, canon, cliché, humour, encule un bouton, tout ça.
Je clap pas. Je clap pas. Voilà. Tu as. Bravo à toi. Bravo à toi, tu l'as mérité. Tu as mérité ton clap, mec. Oh yeah. Ok, ça va commencer. Allez. Au fait, si, juste pour que vous sachiez, c'est pas normal que l'écran soit vert, hein, vous inquiétez pas, ça va disparaître. Ça va disparaître. Hein. Blue Glass, c'est Brosencia. Oh, ça, ce serait une fusion du charisme. Hein. Putain, ce serait tellement pété. Fusion Brosencia Blue Glass. Oh. Bro Glass. Brosencia. Putain. Concept. Concept. Ouais, par contre, il va falloir enlever un petit peu la couleur verte parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué et un petit peu visuellement violent. Bon, après, bon, il faut savoir que Town with No Name, c'est un jeu qui tourne sous DOS. On en parlait un petit peu avant avec Fred, mais vous vous doutez bien que de streamer des jeux DOS, c'est peut-être pas la chose la plus facile. Il faut passer par des machines virtuelles, etc. Donc bon, j'imagine que parfois le truc de capture ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ah non, il faut pas passer le making of hein, avant le run, putain, spoilers, bordel. Spoilers, bro. Ah, d'ailleurs, donc ils sont en train de setup tout ça. Je vais aller voir où en sont les donations pour les défis FR. Ça paraît une optimisation de temps pas trop dégueulasse. Ok. Alors. Il y a quand même 55$ sur la voie pour mettre Vanquish en français. Par contre, les Allemands sont au taquet sur ce défi-là. Ils sont à 800$. Donc, visiblement, ils sont bien dessus. Sean Bean qui va écraser tout le monde en nom d'Aerys. Mamie Lamy qui se fait pourrir par Caleb Hart en nom de Barrett. Alors je sais pas s'il est toujours dans les priorités du Restream FR, mais en tout cas, Mamie Lamy est à 600$ alors que Caleb Hart est à 2100$. Ferdi est toujours devant pour un cloud, étant donné qu'on a lâché le défi Card 7 par respect pour Ferdi, qui était un viewer de Professeur Broman qui est décédé l'année dernière du cancer. Connor pour Red 13 est à 420$, un peu derrière Red D2, c'est un nom un petit peu. Ouais, bon, pourquoi pas. Pour Red 13, ça, n'hésitez pas à bourrer. C'est pour le papa d'une demoiselle qui nous suit sur le stream FR qui est mort aussi du cancer. Un hommage. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Jacques 2. Le coréen est toujours devant le français. Alors, juste pour que vous sachiez, le langage coréen. Ce sont les choix du runner qui était présent au moment où le don a été reçu. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné directement pour le langage coréen. Il y a un mec qui a donné 2400$, je crois, en tout. Et le runner a décidé de mettre ces 2400$ pour mettre la langue coréenne sur Jack 2. Donc techniquement, il n'y a personne qui va continuer à bourrer les dons sur le langage coréen. Donc, il faut continuer à bourrer French parce qu'on a une très très bonne chance de remporter cette bid war. Donc n'hésitez pas, si vous décidez de faire des dons, à les reporter sur le langage français pour Jack 2.
Je pense que c'est à peu près tout. Ah si, il y a les trucs de Pokémon. Donc Abra, de toute façon, il n'y a que Monsieur Karaté pour le moment dans Abra. Morampoule est largement devant pour Bulbasaur. Et le trainer, on a toujours Verdier devant à plus, avec presque 1000 dollars d'avance. Ok. Donc là, ce qui est en train d'expliquer Brosensia, ça je peux vous l'expliquer par contre, c'est que le jeu va être joué en cutscene pour cent. Parce qu'il s'avère que ce jeu peut être terminé techniquement en environ une seconde et demie après le début du jeu. Donc un Eni pour cent n'aurait juste pas de sens, tout simplement. Donc du coup, ils ont préféré faire un run qui va montrer les cutscenes du charisme infini de ce jeu. This was on the Amiga CD, and the tutorial is still for the Amiga CD, even though this is the DOS port. So, they didn't really change much. So, we're gonna go ahead donc voilà, donc vous allez très vite voir qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire le tutoriel, hein, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Oh, allez, il commence le run, je ferme ma gueule. So, basically, we don't know who this guy's name is. This town has no name. Town with no name. Warning, headphone users, you're gonna die a couple times during this run. That's okay, just die. Oh. Probably, yeah. The given a name. The spider's dead. That's us, by the way. This is the weirdest Dr. Katz episode ever. Uh-oh. Walt? Get wrecked, kid. So that's actually the any percent run right there. Nice work, nice work. The good thing about that is that if you go to begin game, you get to skip all that. Alors, so we're back in here, back to the town. C'est pas la sur Roxanne sans déconner. Look at this shady area. Est-ce que c'est pas le best fucking game ever? Donc ce jeu a été développé par une équipe de développeurs anglais qui ont décidé un jour de faire un western américain en point and click et sous paint. Et le résultat devant vous, eh bien, c'est Town with No Name. Voilà. Ça ne se speedrun absolument pas, hein. Comme tout bon point and click qui se respecte. Mais Brosensia a décidé de proposer ce jeu pour les cutscenes du charisme infini. Et voilà, donc le blondin de la ville, hein, bien évidemment, absolument pas pompé sur blondin du bon l'abruti et le truand, alors que vient de passer le crazy Undertaker Abraham Lincoln. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et donc le principe du coup de ce jeu, c'est que vous allez devoir visiter en fait les différentes parties de cette ville dans l'ordre pour déclencher des cutscenes, ce qui va au final vous faire affronter la totalité du gang qui contrôle cette ville. Voilà. Donc le seul intérêt du jeu, c'est de connaître en fait les endroits où aller, les faire dans l'ordre pour pouvoir admirer les cinématiques toutes plus débiles les unes que les autres. Assez. C'est beau. Et là, on va essayer de tuer l'homme à la cigarette, mais malheureusement, il est intestable. Il est complètement intestable pour nous et... This guy doesn't know his limits. Le doublage est magnifique. Le doublage, je pense que c'est les programmeurs qui ont fait le doublage. C'est parce que... Non, oui, si, il faut que je fasse cette référence, parce que je ne peux pas passer à côté. Pour des raisons de budget, la séquence suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
Voilà, si vous venez de reconnaître cette référence, 10 points de 10 points de charisme pour vous, hein. Plus 1000 canon points, hein. Je les balance comme ça. Je suis du genre à balancer des canon points comme ça quand on reconnaît des vraies références. Mais toujours est-il que la totalité du jeu est bruité à la bouche. C'est ça qui est bon. Donc du coup, on a des Anglais qui essaient désespérément de faire semblant d'avoir un accent américain du Far West. Donc c'est magique, quoi. C'est juste magique. Ah, c'est bon. Vous avez tous reconnu la Cité de la Peur. Merci. C'est... Crazy Undertaker Abraham Lincoln. Crazy Undertaker Abraham Lincoln qui vient de passer en counterpick. Ok. Donc le fait de se faire trucider par l'homme à la cigarette n'a absolument aucune incidence sur le run, hein. C'est juste une des façons débiles d'avoir un game over, et du coup il voulait simplement montrer la cutscene. Normalement c'est absolument pas utile dans quand vous voulez finir le jeu. Et donc on se rend dans dans l'église, où vous avez ce magnifique prêtre, avec de la morve qui lui coule du nez. Alors je suis absolument désolé. Si vous êtes choqué par cette vision absolument immonde du prêtre, mais c'est comme ça. Et donc il t'explique que le mec que tu as tué soit avec un vautour, oui parce qu'on a tué un mec avec un vautour, soit en lui tirant dessus, eh bien faisait partie d'un gang qui va venir à ta poursuite, et juste après, eh bien il s'envole au sud. Meanwhile, ah oui, je vous conseille de vous habituer très vite au meanwhile, parce qu'on va l'avoir une bonne dizaine de fois, hein, pendant le run. Et donc pendant ce temps-là, eh bien ce cavalier mystérieux se dirige vers la ville. Back in town. Alors qu'arrive un télégramme. Oh mon Dieu. Un télégramme pour l'homme sans nom. Ah, Nasty Ned. Nasty Ned va essayer de nous assassiner. Et donc, vu comme ça se faisait, évidemment, à l'époque des westerns, eh bien, 10 pas. On recule chacun de 10 pas, on se retourne et on tire. Et donc, c'est là qu'intervient le superbe gameplay du jeu à base de cliquer sur l'ennemi. Voilà. C'est GG à lui. Crazy Undertaker Abraham Lincoln qui vient de passer. Crazy Undertaker Abraham Lincoln, je l'adore. Je l'adore, il est complètement là. Il est complètement là. Donc normalement, on va aller à l'étable, si je me rappelle bien. Juste après l'église. Ah, c'est ça. On va aller à l'état. On va rencontrer le meilleur perso du jeu. Le cheval. Regardez-moi ce cheval de intestable. Intestable. Je vous mets au défi de trouver un cheval mieux modélisé dans n'importe quel jeu vidéo. Ça a juste pas de sens. Ça a juste pas de sens. Ah non, mais si vous comprenez rien au jeu, il n'y a rien à comprendre. C'est juste une succession de cinématiques débiles. Ah, évidemment, un meanwhile, back in town. Un télégramme pour l'homme sans nom. Oui, ça réutilise de façon dégueulasse les animations d'avant. Maintenant, c'est Zippy Zek qui est le boss le plus difficile du jeu. Hein. Étant donné qu'il a développé la capacité de se téléporter d'un bout à l'autre de la map. Et donc, vous devez lui cliquer dessus au moment où il apparaît à l'écran. Et donc, vu que c'était un super badass, une fois qu'on le tue, eh bien, c'est la mort elle-même qui vient récupérer son corps. Donc, c'est quand même, excusez-moi, c'est un petit peu la classe. Hein, quand t'as la mort en personne qui se déplace pour récupérer ton cadavre, c'est un peu que t'as gagné ta mort, quoi. T'as réussi ta mort. Bon, ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est un passage que je ne comprends pas. Mais réellement,
voilà, il a une, on va au magasin, il a une super offre, machin, et on peut lui dire, non, mais je fais que regarder, et voilà la réponse du vendeur. Voilà, et la spéciale offer, machin, c'est un haricot. C'est un haricot. Meanwhile, mon sens de la logique est en position fœtale dans un coin de mon cerveau. Je ne sais pas. Ah, devinez ce qui va se passer. Oh tiens, un télégramme pour l'homme sans nom. Crafty Clint. Et c'est le décès. Le pauvre Crafty Clint qui lui n'a pas développé le téléport qui apparaît toujours en bas à droite de l'écran. Donc malheureusement, c'est le décès immédiat de ce membre du gang. C'est un peu la tristesse, mais voilà. Alors attention, s'il y a des enfants en bas âge devant l'écran, arrive une scène de sexe. Ouais. Il y a une scène de sexe dans ce jeu. Donc par pitié, les parents, éloignez les enfants du poste. C'est important. Get me a drink, bartender. Look at his eyes. Give me a drink, bartender. Attention, autre référence. Donne-moi un lait. Yes, I got it. Chocolat. Two frames, okay? Two frames to catch that. Oh, il a réussi, il l'a chopé du premier coup. Passage le plus difficile du jeu, hein. Récupérer le verre qu'il demande au barman. Ah ouais. Give me a drink, bartender. Ah, ça reconnaît Retour vers le futur. Putain, mais vous êtes des vrais. Vous êtes tellement des vrais. Et ça, juste pour le cutscene pour sang, on laisse le verre nous dépasser et crever bêtement au fond du bar. Ah, j'ai encore du retard? Ouais, mais là, je pense pas que j'arriverai à rattraper mon retard. Parce que j'ai déjà refresh le stream il y a pas très longtemps. Donc, maintenant qu'on est à l'étage, on a trois portes différentes. On va commencer par celle du milieu, très probablement. Et donc, comme dans tous les hôtels de tous les westerns de toute éternité, il y a évidemment des gens qui veulent nous assassiner. Et donc, quand on va dans la dernière salle, eh bien, on rencontre une jolie demoiselle. Oui ? Malheureusement, cette jolie demoiselle vient de tomber dans les pommes. Et c'est à ce moment-là que notre personnage principal nous sort. Et là, c'était pas vraiment le bon moment pour me rendre compte que j'avais un problème d'hygiène. J'essaie de vous rapprocher au mieux de l'accent dégueulasse qu'ils ont collé au personnage principal. Et donc, quand on a un problème d'hygiène, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend un bain, dites donc. Logique. La logique. Et donc, maintenant qu'on est tout propre, eh bien, on peut retourner voir notre chère demoiselle. We don't approve, you understand? All night long. Oh my gosh.
Oh, the best joke right here. Best joke. Man's got ammunition. Et là, c'est la fin de la blague. Eh ben, dites donc, il en a des munitions. Whatever, it's just two consenting adults making love. What's the big deal? I don't know. Okay, hardest jump. Hardest jump right here. Je slow clap. Je slow clap cette blague. Okay, now here's the one secret in this whole game. It's during the card game. Okay, okay, maintenant on va jouer à un jeu du Pays de Galles. On va jouer à un jeu du Pays de Galles parce que le mec qui est en face là va nous expliquer pendant 4 plombes les règles. Donc si vous avez la tirade complète de Perceval, eh bien récitez-vous-la dans la tête. Je la connais pas par cœur malheureusement. Mais dites-vous qu'on va jouer à cul de chouette. Voilà, ça va vous aider. Basically, what I do here is click on a button before it appears. That's all. The loser has to pay one cent. Shut up! I hate you, Willie McVie. Voilà, c'est pas faux. Exactement. Ça c'est si on joue avec des bouts de bois, vous voyez. Someone is stimulating his face with electrodes. Like it's like that's not how a face is supposed to work. So there we go. I clicked on the invisible button. I should have the higher card. No. Voilà, donc le but en fait là, c'est d'avoir la carte la plus haute. Donc basiquement, je sais pas si c'est du RNG, si c'est s'il y a un certain nombre de fois où t'es censé perdre avant de gagner, mais chaque fois que je l'ai vu faire un run, il a perdu deux fois avant de réussir ensuite. Bah là, voilà, il a perdu qu'une seule fois, donc. Et donc comme d'habitude, lorsqu'on fait un jeu de cartes avec quelqu'un dans un saloon et qu'on gagne, eh bien, le mec veut nous assassiner, mais vu qu'on est plus rapide que lui, parce qu'on est quand même lui, quoi, bah voilà, c'est le décès. Meanwhile, Lee Van Cleef! Lee Van Cleef! Je ne comprends plus, je ne sais pas ce qui arrive dans ce jeu, foutez-moi la paix, voilà. Hommage à Mr. MV. Mais ouais, parfois c'est dur. Voilà, donc basiquement ce qui vient de se passer, vous avez l'homme à la cigarette qui vient de demander l'heure à Lee Van Cleef. Lee Van Cleef a ouvert donc sa montre à gousset, a regardé la photo de sa fille et lui a répondu non. Thanks for fighting a terrible disease with a terrible game. Et donc là, tout le reste du run, en fait, une fois qu'on a terminé avec le saloon, on va faire des allers-retours entre la station, en fait, la gare, si vous voulez, et la ville, parce que il reste plus, en fait, d'endroits à visiter. Ah, Crazy Undertaker, Abraham Lincoln qui vient de passer. Salut à lui. Et en fait, on va faire donc des allers-retours entre la gare et la ville pour tuer la totalité des membres du gang qui restent. Voilà. They basically watch Let's Plays and make fun of them, and this was one of them, which I didn't watch all the way through. I'm gonna be honest, because I saw like 1 minute of this and I was like, I have to play this myself. J'ai plus de café, les gens, mais merci de vous soucier de ma santé. J'ai de l'eau par contre, l'eau plate, hein. La boisson des vainqueurs. He named the spider Squishy. How fitting. Okay. Massive Jake, you killed him. So, ouais. Tu l'as tué, alors moi je vais te tuer. Ah non, c'est très très profond, hein, les dialogues de ce jeu. Et donc là, normalement, c'est l'avant-dernier boss. Voilà, qui se crame une clope quand même avant de crever, hein, parce que c'est la base. Ah, Crazy Undertaker, Abraham Lincoln, il vient de passer, cours à lui et toujours. Et là, dernier aller-retour de la station vers la ville, pour faire débarquer le dernier boss. Ah oui, dernier boss de ce jeu, excusez-moi. Fastest one is the store, but I think the guy in there is really creepy,
so I'm fine that it's the station. Okay, you can't last shoot guy. Him, right? Look at his gun. Ouais, t'as tué tout mon gang. Maintenant, je vais m'occuper de ton car. Ok les gars, vous allez vous reculer de 10 pas, retourner et tirer. Ah le shérif il est génial. Ah final boss. Bah oh yeah. Ah tu m'as raté. Oh final lines here, we gotta find out about the town. Ah mais tu m'as raté. Allez Billy Bob, termine ton travail. Billy Bob. Quoi, tu n'es pas Billy Bob? Mais non, je suis juste un voyageur qui va à Dodge Gulch pour voir ma sœur. Dodge Gulch? Ah bon? C'est pas Dodge Gulch ici? Non, c'est l'arrêt d'après, c'est environ 20 miles plus loin. Ah, ouais, ah, j'imagine que ces choses-là arrivent. Allez, je te paye à boire. On va prendre un whisky et je paye, étant donné que j'ai gagné toutes les récompenses en tuant ton gang. Ça me paraît correct. Alright, that's it. Down with no name, folks. Alors j'ai fait mon possible. J'ai fait mon possible pour vous jouer ça correctement, mais bon, vous avez mes excuses. Hein. Voilà. And there are the credits. Wow. Thank you everyone. Glad you could join. Voilà, c'était Town with No Name par Brosencia. Merci à lui d'avoir offert ce run de qualité. Thank you to Brosencia for that very educational trip. C'est pas facile tous les jours hein, de commenter des Full Games Done Quick hein. C'est moi qui vous le dis hein. Oh bordel de merde. In all her glory. Thank you very much, folks. We'll see you on the other side. Eh ben, Town with No Name, quoi. Il reste encore genre 6 jeux. Bon, ça va, c'est pas les plus longs. 7 jeux encore, putain, bordel. Ok, je ne vais pas mourir, hein. Tout va bien. Tout va bien. Je vais résister. Je vais résister, tout va bien se passer. Hein. Ok.